Regarde ce que t'écris là. Pénurie, pâte, huile, les produits qui pourraient disparaître en premier. Les rayons sont vides. On n'aura plus de pâte. Tu m'étonnes, on n'aura plus de pâte. Demain, on ira chercher des pâtes. On en bouffe tous les jours des pâtes. Non, mais on ira chercher des pâtes demain. Oh, il faut alors, en plus. Aller, là où je suis allée, j'ai appuyé, je ne me rappelle plus déjà. J'ai appuyé pour aller, c'est sur un. Là. Google, vas-y. Le deuxième. Google. Hein, je ne vois pas, pas mes lunettes. Ah, c'est ça, Google. Bien, oui. Alors, c'est le premier, hein, Google, le G, là. Ah, là, voilà, c'est ça, c'est le G. Ah, mais c'est ça que j'ai eu, alors. Voilà. Attends. Oui, c'est ça. Bon, c'est comme ça, je sais où aller chercher mes informations. Quand j'attends. C'est les Google News. Google News. Eh bien, bonjour, ça. Mamie, comment je allez-vous? Je peux laisser comme ça, elle va s'arrêter. Ah, oh, oui. Ou je l'arrête. Alors, mamie, comment allez-vous aujourd'hui? Bah, ça va, mais j'ai bien travaillé tantôt, j'ai mal au dos. Et moi aussi, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, tu sais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, aujourd'hui, on a fait deux pointages. Donc, c'est ça, deux pointages. Pointage égal, t'as une feuille avec tous les produits qui sont arrivés et qui viennent d'être livrés. Et puis, il faut tous les pointer, il faut regarder les cartons un par un pour voir si les produits sont dedans. Puis, j'ai fait ça deux fois, puis c'est beaucoup. Puis, j'ai bien travaillé, puis... Et forcément, ça aide tout le monde. Alors, ce soir, quand je suis sorti du magasin, t'as dit, on me dit au revoir, salut. Là, c'était beaucoup de merci, parce que j'ai aidé beaucoup de gens aujourd'hui. Visiblement, ouais, à faire leur pointage. Ça les a vachement avancés, hein, je pense. Je pense. Ouais. Ouais. Ça pue le chien ici. Eva, t'as mangé du saucisson? Non, c'est son haleine, ses médicaments qui lui font ça. Voilà, le pic. Bon, ben voilà, quoi. Que faisons-nous maintenant? Eh ben, rentre chez nous. Incroyable. Parce que mamie, elle va rentrer. Demain... vous savez ce qu'on va faire au prochain épisode? Au prochain épisode, on va me raser les cheveux. Et demain. Et après, ouais, demain. Au prochain épisode, donc. Pour les raser, hein. Et je pourrais, oui, faire une coupe normale. Ouais, ouais. Et je pourrais dire, j'ai perdu mes cheveux. Ah oui, c'est pas... Comment que tu... Non mais avant que... Bah zut, comment j'ai dit? Seuls ceux qui connaissent eux-mêmes savent de quoi on parle. je pense pas que je dois vous le montrer parce que je l'ai pas, mais j'ai eu un mème avec mamie avec un emoji, un filtre et tout. Comme... Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre exemple comme mème sur mamie qui existe? Alors, t'as encore deux semaines à faire après. Ouais, ouais. Mais après les deux semaines, tu repars à l'école? Non, il était les vacances après. Ah, c'est les vacances, dès que t'as fini. T'es... C'est les vacances de deux semaines. Eh, au pire, tu sais, je passe deux semaines en plus chez mamie, ça me fera six semaines chez Eh, tu sais. Oui. Alors, un autre exemple de même sur mamie. Écoute, c'est pas possible. C'est pas. On est déjà jeudi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on est vendredi aujourd'hui, mais. Ah, on peut le faire avec le jour de la semaine, alors, sauf dimanche. On en a pris des crises de rire. Hein. Mmh. Ah, déjà en regardant les épisodes de Taxi de Mamie, déjà. Alors, c'est fantastique. Il y a un masque, le petit jeune, il a raison de mettre des masques. Il n'y a personne pas là. Il tourne, je pense que je vais attendre un petit peu parce que. Non, mais j'aurai du temps. Craquage de mon pouce. Allez, dépêche-toi. Le clignotant, il connaît pas. C'est de l'option. Toujours fermé le magasin. Ouais, ça c'est un magasin abandonné. Je sais pas ce qu'il alors, c'est pas, dedans, c'est pas ce qu'il écrit là, hein. c'est une pub. Tu vois, le magasin, il est absolument vide. Ah, je voulais laisser la moto passer. La moto super classe passer. Ouais, c'est le motard. Lui, il va où, lui? Pas de clignotant, hein. Ben ça c'est l'option, hein. Ah, si elle a fait un clignotant quand même, vous avez des voitures sans clignotant, Vincent. Vous savez pas. Elle expliquait derrière moi, elle était plus réussie. Je sais pas si on le voit, mais... Ouais, regarde comme ça, hein. Mais sous cet angle, c'est beaucoup plus marrant. Hein. Mais tu voiture sans permis. Alors demain, je vais te... Je regarde. On va couper les cheveux de Vincent, pour moi, parce que je suis pas quoi faute. Karine, elle fait pas couper ses cheveux. Non. Pas besoin. Oh, la mini. Non. La Fiat. Bah oui, il faut que je fasse couper les cheveux, moi. Je sais pas où je vais aller, par contre. C'est ce gendarme ou c'est quelqu'un qui est à pied, là? C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui attend quelqu'un. Quelqu'un qui attend quelqu'un? Bah, il attend une voiture.
Oui, mais je le connais. Tu connais ? C'est un employé du Leclerc. Ah bon ? Je sais pas si tu savais. Femme bien. Ouais, mais donc connais. Il y attend quelqu'un qui a cherché. Ah, mais il attend. Mais non, une firme, il a de bol. C'est mon poteau, c'est mon poteau que. Hein, quoi ? Et là, c'est vraiment des tailles. De quoi ? T'as vu, il m'a coupé la route, il s'en fiche complètement. Alors, le gazole. Hein ? Le gazole. Regarde combien qu'il a le diesel, regarde. Alors, le gasoil. C'est pas 20,58. Alors, le gasoil, 2,058. Pas 20, encore heureux. Parce 2, que mamie a dit 20 parce qu'il y a un 0, non, mais. 20,58, c'est, moi, je sais ce que je dis, moi. Ouais, c'est 2,058. Ça, je sais, mais bon, moi je dis carrément tout, comme ça. C'est pas possible. On en a reparlé tout à l'heure au magasin. J'étais en train de bosser et tout, je faisais mes réserves. Et on s'est dit, le gasoil, il est encore à 2 euros. Et puis il y a mon collègue Mathieu avec son scooter. Son scooter, il a du mal à démarrer. Hein. C'est un spectacle hein, de le voir démarrer son scooter. C'est encore combien de secondes? Voilà. Une. Une. Lui, il en reste une, moi, il m'en reste deux. D'accord. Voilà, dans le décalage. Il a commencé une semaine avant toi? Ouais. Vous vous rendez compte? Siège. Il travaille une demi-heure de moins que moi. Ça va. Il fait 4 jours par semaine comme moi, c'est juste pas au même moment. Hein. Les jours de pause, c'est pas pareil pour lui. Lui, il travaille 9h30, 18h. Moi, je fais 9h30, 18h30. Ah oui. Voilà. J'ai une demi-heure de plus. Incroyable. C'est fantastique. Alors, nous sommes actuellement dans le taxi de mamie qui est en réalité donc une Nissan Note. Première génération. Alors, que pensez-vous de la Nissan Note, madame mamie? J'ai déjà dit, hein. Oui, mais à eux, non. Ah bon, parce qu'il y en a d'autres. C'est pas possible. Penses-tu que c'est une bonne voiture? Ah, voilà, ça, moi, j'ai pas de soucis, c'est impeccable. Tiens, tu vois même que je n'étais pas le volant. Tosse. Ah, t'as pivoté un peu. Ah, il y a un virage, attention. Eh, si tu lâches le volant pendant le virage, ça fait quoi? Non, faut pas. je te conseille pas. Sur ligne droite, encore, tu peux faire un petit essai, mais pas dans les virages. C'est pas une bonne idée? Non, parce que tu vas trouver dans le fossé. Je pensais que ça pouvait tourner et tout puis seul. Dans le fossé, ben, il faut chercher un tracteur pour te sortir. Parce que tu ne peux pas sortir. Tu peux pas sortir? Tu peux pas tirer ta voiture toi-même? Oui, mais ça va, oui. Mais tiens, je vais te la donner à tirer. Allez, le jour où j'aurai mon permis, tu me prêtes ta voiture et puis et tu me montres comment elle fonctionne. Voilà. On va conduire le taxi de mamie. Oh, tu sais, imagine, genre, la série elle dure encore des années et tout, bim. Avant, tu sais, le taxi de mamie, je sais pas combien, je conduis le taxi de mamie. Voilà. Bah, je conduis une voiture. Quoi. Ouais, t'auras les jambes, les pieds, les jambes trop grandes. Les jambes, les pieds. Que le siège à fond. D'accord. Moi, le siège, je me le mets à Ross parce que j'ai trop petite. Parce que tu fais 1m2, c'est vrai, on a oublié. Il faudrait que tu mettes à fond. Ok, madame. Voilà, monsieur. Chauffeur de taxi depuis 100 ans, voici mamie. C'est un jeune homme. Monsieur, moi. Enfin, j'imagine quand tu parles d'un jeune homme, tu parles de moi. Non, aujourd'hui, il y a des personnes âgées. Il s'est passé. Personne à droite. Personne. Côté non plus, craquage de mon pouce, encore une fois. De mon pouce. Du pouce, du doigt, que l'on appelle le pouce. Encore lui, pas dit, il nous colle au cul depuis tout à l'heure. Hey. La gounelle. Pour l'instant, sans doute n'importe quoi, c'est une gâche chewing gum. C'est que sur la route, ça sert pas bien. Ouais. Un papier carton. Pollution de l'air. Pollution de tout. Eva, le chien. Voilà, maintenant tu reprends, tu fais samedi. Lundi, dimanche, lundi. Dimanche, ben, 3 jours. 3 jours de pause. 3 jours, on dort le matin. Ouais. Oh, c'est pas bon ça. Et mon collègue Mathieu, c'est samedi, dimanche et mercredi. Ah oui, lundi. Ouais, ah ça, bon. Fait, bah ça fait 3 jours, tous les gars. Samedi, dimanche, donc il a un week-end de 2 jours. Il travaille lundi et mardi. Ouais, et jeudi, vendredi. Ouais, bah écoute,
Moi, c'est, moi, je travaille, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je fais, je crois, 4 jours de fil. 4 jours de pur plaisir. 4 jours où on se fait... On travaille 5 jours. Ah non, tu réponds lundi, toi. Non, 4 jours, lundi, non. Salut. Sainte-Colombe, la commanderie ou SCLC. J'ai vu le camping-car de ce matin, je lui dis à papy, non, évidemment, ça, non, ça c'est pas grave. Tu l'as dit au grand-père ? Ouais, tu peux y redire, c'est chaud. Ouais, référez-vous à l'épisode précédent, on a vu un camping-car exactement le même que le nôtre. C'est comme t'avais pensé ça dans tes mains, parce que t'aurais pu prendre en photo. Ah si, si, je l'avais, ah si, si, je peux. Pour le prendre en photo, mais le mec, tu peux pas, tu vas... Ah si, je peux. Non, c'est pas possible. De quoi ? De prendre quoi ? Le camping-car qu'on a vu ou celui-là ? Non, celui qu'on a vu. Ah, celui qu'on a vu, bah je l'ai pris. Ah, bah tu vas nous faire voir. En fait, quand il est passé devant, bah j'ai filmé comme ça devant. Ah, bah tu vas nous faire voir ça. Ah, oui, je l'ai vu, je l'ai, hein. On l'a vu. Regarde, il y a, pour ceux qui ne savent pas, il ressemble à ça, c'est un Adriatique. Tiens, tu descends parce que tu auras plus facile aussi. Écoutez, nous sommes arrivés, donc une fois de plus, je vais vous payer 0 euros pour le taxi. J'espère que ça sera suffisant pour vous. On verra à la fin du mois. On est le 24 là, si je dis pas de conneries. Ou le 25. Ah, la ceinture qui passe devant. Ah. Eh ben écoute, on se voit à la fin du mois. Hein. Ouais. Ou demain pour un nouvel épisode du taxi de mamie. Oui. Oh merde. Allez, là il y a le grand-père qui est là-bas. Allez. Ferme la porte. Bonne matinée. Il est 18h30. Adieu.